ils sont nombreux à avoir des difficultés de concentration dans leur scolarité. Ce n'est pas la faute à l'école toute seule, c'est la faute à l'ensemble des institutions qui regroupent l'école, c'est-à-dire les institutions politiques ou sociales, ou la société civile aussi, et l'environnement. Et puis après, si on veut approfondir, et puis après il y a des aspects culturels, traditionnels, qui renforcent aussi cette violence scolaire ou des troubles d'apprentissage. Farah, une petite fille rencontrée lors de la conférence, nous a confié les raisons de sa déconcentration à l'école. Ce qui me déconcentre aux classes, c'est que je pense à ma maman, à mon père, parce qu'ils sont divorcés, et à ma maladie parce que je suis diabétique. Sur la question de l'amélioration des capacités d'apprentissage chez les enfants, Rachid Samar nous répond. Donc c'est l'affaire de tous, c'est les parents, c'est les enseignants, c'est les médecins scolaires, c'est bien sûr il faut orienter les enfants en consultation spécialisée, en neuropsychologie, etc. Donc c'est tout le monde qui doit agir pour améliorer ce problème de difficulté de concentration. En ce qui concerne la médecine scolaire en Algérie, Wiza Chermak nous répond. Malheureusement, chez nous, le rôle du médecin scolaire se limite à dépister des malformations de colonne vertébrale ou des problèmes d'acuité visuelle, etc. Mais on ne parle jamais justement de ces difficultés d'apprentissage, de ce déficit en attention. À noter que le manque de concentration chez l'enfant inquiète les parents qui appréhendent l'échec scolaire. Rappelons que les élèves ont besoin d'un suivi permanent lors de leur scolarisation.